Dans le cadre d'un projet global de prévention, tel qu'il est préconisé aujourd'hui dans une action nationale qui s'appelle ESPER, dans ce programme, il est intéressant de développer la politique de prévention qui va avoir différents axes de prévention. Et la politique, en tout cas nous, dans le programme ESPER, on va par exemple privilégier des aspects qui sont très opérationnels sur parfois des choses qui paraissent plus compliquées à mettre en œuvre. Aujourd'hui, avoir une politique où on met à disposition des autotests est quelque chose de facile à partir du moment où on est bien conscient que cela peut dépister des cas positifs. Si quand je fais le test, je me confie à l'employeur en disant ben, « ce matin, je suis encore positif au cannabis, donc je ne peux pas conduire le chariot automoteur » et qu'on me dit « cher ami, vous avez gagné la porte », on n'est pas dans la prévention, on est dans la sanction. Donc la limite entre les deux, elle est importante à envisager dès le départ. La connaissance de mon risque, en clair, c'est « ok, tu es positif, on va te demander de rencontrer l'infirmière ou le médecin du travail pour que cette situation ne se reproduise pas ». Et donc là, on va engager à la fois un bilan et des soins adaptés à la situation. La personne n'est pas dépendante, elle va pouvoir arrêter ou réduire sa consommation. Elle est dépendante, elle va falloir engager des soins pour que ce risque de conduite sous cannabis disparaissent.